Ok, bon, bah du coup c'est reparti là dans. Alors on va dire dans 2 minutes, parce qu'en fait je suis un petit peu en avance. Alors. Je suis en train de manger et tout, hein, donc j'avais plein de trucs de sortie. Tiens. Voilà. Du coup ça on peut le virer parce que ça sert à rien. Ça, on fait de la place. Ok. Et du coup, comme ça, je serai dans mes couettes. Est-ce que j'ai petite installation, hein, c'est juste pour avoir bon chaud. Et évidemment, le stream déconne. Super. Hop. Moi je suis prêt, mais la connexion internet ne l'est pas. Attends, est-ce que je peux bien mettre le bureau au fond? Tac, voilà. Du coup ça tient, c'est bon. Ok, bon, bah du coup, c'est reparti donc pour la partie 2. Hein, je sais que le titre du stream n'est pas très très bon. Je vais essayer de le changer vite fait. Parce que c'était précédent. Tac. Lipalipalou. Si ça veut bien charger, super. Partie 2 enregistrée. Voilà. Donc ça je peux couper. Hop. Voilà. Je sais pas si le titre va changer en direct, ce serait marrant de voir ça. Donc tout est bon, je peux switch de scène. Et du coup, bah, on va continuer là où on en était. J'avais activé quoi en dernier? Ah oui, posé. Ouais, ouais. Super. Un petit son. C'est magnifique. Du coup... lorsqu'on appuie sur la barre espace, le pion va descendre. Alors comment je pourrais faire ça? Case, donc c'est table de machin machin. Donc alors X, on va laisser comme ça. Donc ça va être cure X. Ok. Et l'Y, bah, ce sera à la recherche. Ok. Va être égal à... Ah oui non, faut déjà que je vérifie, donc si dispo... Ouais, je pense qu'on va faire un if et puis... alors let de futur y est égal à place libre en y... En x, pardon. Et du coup... if gna gna else pas de place. Ok, donc lui sera futur y, je crois que c'est bon, hein. Futur y x 0, ça fait ça. Elle est pas mal cette musique là, je vais encore la doubler, hop, tripler. Du coup, est égal à, donc le pion c'est pion rouge avec case, donc je vais marquer ici alors les cases, hein, donc 0, là c'est la 1, là c'est la 2, là c'est la 3, celle qu'on retient c'est 4, là c'est la 5, donc lui est égal à 4, sinon à rien. Donc if futur y plus petit que 0, pas de place, donc ça c'est gestion d'erreur, sinon tout va bien. Ok. Du coup on va chercher donc grâce à la place libre. Mm-hmm. Par rapport à. Ah oui par contre il faut le X et le Y je pense. Bah non QRX. Non c'est bon. Donc QRX, bah du coup on va garder le QRX. Est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre ça? Ouais pour l'instant ouais, hein, on va faire des fonctions bien séparées, cool. Return OT. OT égale moins 1. D'accord, il va boucler pour voir dans la colonne Y. F0, I2J10, I2++, table future. Alors, si jamais on commence à 0, donc là il va vérifier par rapport à la hauteur I2 et le X cur X. Ok,
Donc là, il prend le 1. Le 1, le 1, moins 1. Ok, donc là, c'est bien la hauteur. Donc 0 à 10, bah non, hein, 0 à 7. Oui, 0 à 6. Donc 7, 1, 1. 7 plus petit que 7, non. Bon, ça c'est bon. Et du coup, c'est I2. Donc, est-ce que table de I2 par rapport à IX est disponible? Donc, c'est-à-dire est égal à une case, donc à 1. Dans ce cas, OT égale I2. Ok, sinon 0. Il va scanner les cases. Tant qu'il y a une de dispo, c'est bon. Est-ce que je fais une vérification forcée? 0. Bon, plutôt if. Donc alors, if 1-1-1-1 return I2. Voilà. Et du coup, ici, return moins 1. C'est encore mieux, non? Ça va l'air plus propre. Donc je boucle sur la hauteur du tableau. Si la case est égale à... Ah non! Si la case est disponible... Non, alors, on va continuer. Donc, let OT égale moins 1. Ok. Return OT quoi qu'il arrive. OT, alors, si jamais la case est égale à 1, dans ce cas tout va bien, donc on peut OT égale 2. Sinon, donc si la case est occupée, on retourne OT. Par contre, si jamais, je vais essayer de faire comme ça parce que ça marche aussi. Si jamais on teste la première case, est-ce que la table est égale à 1? Bon, imaginons qu'elle soit occupée. Dans ce cas, il va retourner moins 1. Et si jamais. Si c'est OT. Ah. Si la case est dispo, c'est 1, 2. Ouais, puis s'il y a un bug, tant pis. Ah, je sais pas en fait. En vrai, là, je suis un peu perdu. Parce que si je mets des cases dont une est vide au plein milieu, normalement la gravité joue, bon, ça devrait être bon. Mais on ne sait jamais. Ouais, oh, c'est bon, il n'y aura pas de bug. Hein, il y aura pas de bug. Allez. Donc là, c'est pas mal comme ça. Tac. Ok. Donc là, il boucle. Place libre. Gna gna. Tout ça. Ok. Si la case est disponible. Dans ce cas, on dit que ça c'est disponible. Sinon, bah, c'est pas dispo. Voilà. Allez, on va dire ça pour l'instant. On va voir ce que ça donne. Machin Y égale 4. Ok. On va tester. Hein. Super. Bah, dis donc, ça a vachement planté, disons. Alors, attends. Future Y is not defined. Bah, si, il y a un let. Mais putain. Ah oui, non, mais les erreurs à la con. Bah. Ça marche quand même vachement bien. Excellent. Et il n'y a pas de bug. Ok. Et est-ce que je peux marquer pas de place en alerte? Alerte. Pas de place. Super. Excellent. Excellent. Donc ok, donc if machin est plus grand ou égal à 0. Voilà. Oh, j'aime bien. Je vais peut-être me laisser le message d'erreur en fait. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Genre tu forces le truc et puis ouais, c'est bon, fait de place. Ok. Donc poser ça c'est bon. Ensuite c'est acquis. Qui est égal à 0, lorsque l'on pose une pièce, tout va bien, machin égale 4, acquis plus plus, acquis, ou alors on passe de 0 à 1, acquis égale 1 moins acquis, je vais y arriver ou pas? Ok. Ça peut être pas mal. Et donc, ce qui est affiché à l'écran, c'est le player. Où est-ce que c'est? Draw, ok. Le player donc en x, donc c'est-à-dire 0, alors 2, 2 plus 1, 2 plus acquis, 2 plus 0, en y ça change ou pas?
Ouais, pour l'instant, non, mais... Ok. Deux. Ouais, c'est bon, allez, c'est pas pour ça. Ok. Donc alors, je vais voir déjà. Super. Excellent. Mais peut-être que, ouais, peut-être que bleu, c'est très moche. On va peut-être changer à jaune. Alors, geek. Geek. Voilà. Et donc, si je change la couleur par... Ah, parfait. Peut-être un peu trop orange, non? Je sais pas. Non. Parfait. Allez, on va garder ça. Enregistrer. Voilà. Ok. Et donc quand je change de pion, lui va vérifier c'est 1 et lui il va être égal à 4 plus acquis. Ça devrait être pas mal. Super. Oh mon dieu, il n'y a pas de place. Ok. Est-ce que je fais un calculateur pour voir qu'on a terminé? Non. Parce que la flemme. Et puis voilà, hein, on va jouer comme ça. Et pour terminer la partie, c'est quoi, c'est échappe? Super. Bon, ben voilà. Pour l'instant, je suis satisfait. J'ai pas envie de faire un script pour voir est-ce que les diagonales sont bonnes, est-ce que machin. C'est bon. Parce qu'en gros, il faudrait que je désactive. Putain, je suis intéressé pour faire le script en fait. C'est grave. Gna gna. Donc lui, il pose. Gagnède acquis, voilà. Ah oh, putain, je vais le faire, fait chier. qui c'est? Ok. Donc en fait, ouais, il faudrait boucler pour garder uniquement les cases actives. Comment je pourrais faire ça? Ou alors is gagned ou has gagned. Enfin, c'est plus propre comme ça. Donc alors, faudrait qu'on teste sur chaque case du tableau. Donc, on va faire toutes les cases comme ceci, cela. Ok. On va mettre i4, i5. Quoique i3, i4 serait peut-être plus beau parce que i3 ça me rappelle plus le y. I4 en X. Ok. Donc est-ce que le tableau on sera if. Est-ce que le tableau en X et en Y n'est pas égal à 1? Si jamais il n'est pas égal à 1, dans ce cas ok. OT est égal à false. Ok. Return OT. Ok. Et donc ici, if has gagné, else oui. Bravo. Acquis. Donc soit c'est 0, soit c'est 1. Donc je vais mettre joueur. Voilà. I plus 1. Voilà, ça va faire comme ça. Donc joueur 1, joueur 2. Ouais. On va dire que c'est pas mal. Du coup, place libre, ok. Donc let has gagné, ok. Has gagné, boucle. Et dès qu'une case vaut. Non, c'est pas 1, c'était, pardon, c'était case. Si ça c'est 1, ouais. Si c'est une case, bah tant mieux. Si c'est pas une case, vérif autour. Vérif autour. Moi, ouais, je sais pas. Parce que si on prend ce pion là.
Il va vérifier autour. Ouais, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. On vérifie autour de... Là, il me faudrait I3 et I4. Non, on va plutôt mettre XY, donc I4 et I3. Voilà. Return... Alors, non, c'est plutôt if. Si le return est vrai, return true. Voilà. Sinon, return false, en fait. Hein. Si on fait toutes les cases et que ça n'a rien donné, voilà. Return true. Return true. Voilà. Tech. Ok. Ok. Bon. Et donc ici, vérif autour, ça va être une fonction par rapport à x et y. Il va vérifier tout d'abord que x... Alors, if... Si jamais x est supérieur à... parce qu'il faut une ligne de 4. Donc, je vais me marquer ici. Qu'est-ce qu'il y a autour? Il y a 7, 8, 9, 3, 4... Non. Ça va être long. Ok. Donc là, on va commencer en diagonale. Non, on va faire 7, 4, 1. Alors. Réfléchissons. Commençons par la hauteur. 7, 8, 9. Ensuite, 1, 2, 3. Et on, à la fin, 4, 6. Mais si jamais on va à gauche, ce sera 7, 4, 1. Et si c'est à droite, c'est 9, 6, 3. Je vais enregistrer un peu. Ok. Donc, if... comment je peux remarquer ça? Regardez autour. Ouais, je vais tester. Oh, je sais pas. Ah si, non, je peux même tester ici. Eh ouais. Donc, putain, c'est excellent ça. Est-ce que x, donc i3, i4, est supérieur à 3? Je suis pas sûr. 3 ou 2, 3? Non. 0, 1, 2, 3. Donc lui doit être supérieur à 2. Est-ce que i4 est inférieur à 6, 5, 4, 3, donc 4. Est-ce que i3 est supérieur à... bah pareil, 2. Et est-ce que i3 est inférieur à 4. Voilà. Donc là on peut voir x 6. Je sais pas comment dire, mais voilà. X, 4, Y, supérieur à 2. Donc c'est en haut. Non, c'est vers le bas. Et Y, inférieur à 3, ce sera 8. Ok. On va dire que c'est bon, hein, on va tester. Bon. Donc si jamais on va vérifier 7, donc on va vérifier 7. Alors, if... ix 4 et ix 8. Je sais pas si j'ai bien fait en fait, parce que y plus petit que 4. Merde. Non, si, ça c'est plus, donc c'est 6. Ah merde, j'ai marqué i4 et 6. Ok, donc si lui est plus grand que 2, ça veut dire qu'il y a possiblement avant, donc c'est 4. Si x est plus petit que 4, ça veut dire possiblement il y en a après. Ok. Est-ce que i3 est plus grand que 2? Ça veut dire qu'il y en a possiblement avant. Donc 8. Voilà, ça sera peut-être propre comme ça. Et donc ici, il faut que ce soit i4. Donc il faut que ix soit plus grand que 2, par exemple 3. Parce que 3, 0, 1, 2, 3, ça me laisse la possibilité de vérifier en x. Et bien sûr, il faut qu'il y ait une disponibilité en hauteur. Donc il faut que i, y soit supérieur à 2. Comme ça, on est bon. Et du coup, il va vérifier petit à petit. Ok. Donc ça, c'est bon. Le 7, c'est bon. Le 8, bah, c'est juste 8. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Tiens, je vais même copier ça comme ça. Parce que lui, il y en a 2, 1... Là c'est 1, et après on repart avec tac tac, gna gna, peut-être pas celui-là.
Donc 7, 8, 9, 4, 6, 1, 2, 3. Alors, où est-ce qu'on a besoin de vérifier le X? C'est compliqué. Non, on va vérifier en haut. Donc 8, 8, 8, ça c'est bon. Là, il n'y a rien de tout ça. Et là, c'est 2, 2, 2. 2, 2, 2. Parce qu'il faut qu'ici, I3 soit plus petit que 4. Donc il faut que le Y soit plus petit que 4. Parce que s'il est à 5, ça sert à rien de vérifier en dessous, il n'y aura pas de place. Ok. Ensuite, on va vérifier les X, donc c'est-à-dire, enfin les X inférieurs, on va dire. Donc, il y aura le 7 qui vaut 4, il y aura le 4 qui vaut 4, et il y aura le 1 qui vaut 4. Ok. Le 9, 6, 3 va valoir 6, donc le 9. Ouais, 9. 6, 3, il va le 9, 6, 3, il va le 6. Et enfin, pour le haut, ça c'est bon, c'est 8. Pour le bas, c'est 2. Ah, bah j'ai déjà fait. Ok. Donc, alors, si je résume, le 7 il est en haut à gauche, ça c'est bon. Le 8 il est en haut, c'est cool. Le 9 il est en haut à droite, ça c'est bon. Le 4 et 6, bah c'est 4 et 6, donc ça va. Et le 1, 2, 3, ils sont tous les 3 en bas. Mais c'est 4 et 6 pour le 1 et 3. Super. Donc ça c'est bon. Comme ça il peut vérifier tout autour. Uniquement s'il mérite de vérifier. Parce que sinon il va sortir du tableau. Ça va être la merde. Donc là il va vérifier la ligne. Donc returne. Non pas du tout. Plutôt OT, ouais. OT. Alors, est-ce que OT est plus grand que 0? C'est ça, est-ce qu'il a gagné? Alors, net de OT est égal à 0, et OT plus plus, donc est-ce que OT plus égal à gna 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 1 sinon 0? Ok. Je vais me faire une toute petite pause après, parce que les maths comme ça en boucle, ça pète la tête. Ok, salut, comment vas-tu Léon? Je sais pas si t'as vu la première partie du Puissance 4. Mais en gros, voilà, j'ai récupéré une base de jeu et je me suis amusé à faire un peu de nettoyage. Et voilà. Et là du coup je fais les fonctions de vérification si les pions autour font bien des lignes quoi. Voilà. Voilà. Donc genre là. Là je devrais avoir. Voilà, là je devrais avoir un puissance 4. Mais nickel, excellent. Par contre Rigard ça m'a trop saoulé. J'ai voulu lancer un live et en fait ça déconnait beaucoup trop quoi. Là actuellement je pense que ça va. Je suis à 250k en up. Kilo bit hein, vraiment minuscule quoi, voilà. En kilo octet ça doit être tellement ridicule. J'ai 30 kilo octet up. Pour une image en HD, voilà. Donc t'imagines la qualité, enfin je pense que tu la vois, hein, la qualité horrible. Non j'ai pas passé le motif. Ah mince. Ah bon? Bah attends, je l'avais mis en public. Oh je sais pas. Bon enfin. Bah de toute façon elle est sur la chaîne je crois, hein, si je me trompe pas, enfin bref. Elle doit être disponible. Ouais je suis à 500k, oh mon dieu, 522k, ça fait plus de 60 kilooctets. Voilà, je parle en octets quoi, c'est vraiment une connexion de... Voilà, et ouais du coup ouais, j'en suis là, donc bah, le jeu a vraiment bien avancé, donc il y a deux joueurs sur un seul clavier. Donc on pose la pièce, et là l'idée c'est que lorsque la place... Alors, faut remonter à chaque fois, quand on appuie sur la touche... Il vérifie si la place est libre pour déposer la pièce. Et pour vérifier la place libre, du coup, il va scanner la colonne et voir... attends, je vais juste muter le Discord. Est-ce que c'est le seul? Okay. Easy Tower qui est encore en route. Sérieux? Ah ouais, Easy Tower. N'importe quoi. Attends, je vais juste quitter deux petites secondes pour le chat. Ta-da-ta-ta. Alors en plus un message un petit peu important donc je vais voir. Bon ça c'est bon. Ensuite futur achat enregistré.
Bon, le mec il m'a spammé à fond, donc on va attendre. Et ça c'est quoi? Coucou machin, on s'en fout. Ok, comme ça je vais reprendre. Ok, donc je quitte ça, je remets l'écran normalement, voilà. Et même, attends, je vais même mettre une petite sécurité, c'est que je vais changer d'onglet, voilà, comme ça moi, il n'y aura pas de fail. Et donc ouais, voilà, actuellement j'en suis là, et je me disais, il y a quelques minutes, je me disais, mais non, je ne vais quand même pas programmer un script de vérification pour savoir si un joueur ou un autre a gagné, ce serait complètement idiot. Une case dispo. Je pensais quitter, mais je sais pas. Ouais, non, c'est bon. Enfin, il scanne la colonne et puis il prend la dernière case disponible. En gros, hein, vraiment, voilà. Et du coup, as gagned. Donc, lorsqu'on déplace le pion, la musique m'énerve. Hop, voilà. Mais la musique est forte en plus, en fait. En même temps, j'ai peut-être hurlé dans le micro, donc voilà. le mec de mauvaise foi, tu sais. Et donc. Quand la pièce se posait, il vérifiait est-ce que... D'ailleurs, quand je scroll, vu que la qualité est pourrie, ça va niveau lecture? Enfin, est-ce qu'il faut que je m'empêche de scroller ou je peux y aller petit à petit, comme ça, en expliquant... Je sais pas si le texte va être bon ou pas, en fait, à la lecture. Et du coup, oui, et donc quand il dépose le pion, il vérifie s'il a gagné. Donc il va scanner toutes les cases. Si la case contient un pion ou un autre, il va vérifier autour. Et si jamais autour est vrai, bah, il retournera trou. Comme ça au moins, as gagned sera trou. Et du coup, il retournera bravo joueur machin, on pourra arrêter le jeu, etc. Je vais mettre ici d'ailleurs, arrêt du jeu, go menu, peut-être. Enfin, je sais pas, on verra. Et donc le vérif autour, c'est ce que je suis en train de faire là. Et c'est terriblement compliqué. En vrai ça va, mais tiens, si je mets comme ça, il y a plein d'arguments, il y en a 6. Donc il y a le X et le Y, c'est la case à partir de laquelle on va vérifier autour. Et ensuite il regarde, est-ce qu'il y a de la place avant en X pour ne pas avoir à vérifier inutilement et sortir du tableau en X. Pareil pour l'Y, pour le... Donc X supérieur à 2 pour la partie gauche. Si t'as un pion, est-ce qu'il y a moyen d'avoir 3 cases à gauche de visible, hors sans sortir du tableau. Pareil pour inférieur à 4, pardon, pour la droite. Là c'est la partie haut, donc supérieur à 2, et là c'est la partie basse, donc inférieur à 4. C'est compliqué, hein, c'est vraiment vraiment compliqué. Mais voilà, du coup, supérieur à 2, supérieur à 2, inférieur à 4, inférieur à 4, voilà. Donc c'est ce que j'appelle ici, comme le pavé numérique, si la case que tu vérifies c'est la case 5, bah tout autour t'as au bas gauche droite, donc 8, 2, 4, 6, c'est terrible. Et donc je peux savoir est-ce qu'il y a de la place autour pour m'autoriser à vérifier telle ou telle case. Quoi. Voilà. Et puis si on est dans un coin, bah, il vérifiera pas grand chose, et si on est au centre du tableau, bah, il vérifiera tout, et voilà. Donc là il faut que je vérifie 7, donc en haut à gauche. Donc... Je vais prendre la case tableau X moins. Alors je vais marquer IXY, ça sera mieux. Voilà. Donc là il faut voir. Est-ce que IX moins 3, parce que là c'est supérieur à 2, donc par exemple 3. Donc il y a 3, 2, 1, 0, c'est bon. Moins 3 et moins 3 est égal à... Merde. Ah oui, du coup, j'ai pas vérifié le bon... Alors, attends. Est-ce que lui a gagné? C'est qui? Ah oui, j'ai pas utilisé lui. Donc, qui va être vérifié? Qui c'est? Voilà. Et du coup, ce sera... d'ailleurs, qui c'est? Je vais peut-être l'importer avec le... Avec le bon nom, alors as gagned c'est quoi? C'est acquis, donc c'est 0,1, donc là on va dire qui c'est. Ouais, le joueur 1, ce sera le 5, donc c'est 4+, plus 4, on va mettre 4+, comme ça au moins ce sera propre. Voilà, 4+, acquis, gagned, donc là c'est qui c'est. Je mets plutôt pion, qui pion, comment je pourrais dire ça? Joueur, non. Ou alors H-Key. C'est H-Key. Voilà, H c'est pour Hexa, hein. Ça permet de savoir que ça vient d'un tableau.
Ashki, donc ici on peut savoir est-ce que lui est égal à Ashki et que moins 3, moins 3, donc moins 2, moins 2, moins 1, moins 1. Donc s'il est bien 3 pions en diagonale qui sont égales à Ashki, étant donné que le pion que l'on a vu ici en 3 et 4, c'est un pion qui n'est pas vide, donc c'est un pion qui a quelqu'un, donc c'est le pion de quelqu'un, donc trou. Et du coup, on vérifie juste si lui a gagné en fait. Ah ouais, non, c'est encore mieux. Est-ce que lui est égal à Ashki? Si c'est... Ah putain, mais ouais, ça fera moins de vérification, c'est trop bien. Donc, si lui pose son pion, on peut savoir s'il a gagné ou pas. C'est super. Donc Ashki moins 3, machin, ok. Donc là, je vais copier ceci pour là, là et là. Là, là, là. Et donc, on est bon. Bah, fouet, non, en fait, là. Est-ce que c'est pour la hauteur? Vérif 8, ouais, c'est en haut. Ouais, pour l'instant, je vais mettre comme ça, puis on va. Bon. Donc alors, moins 3. Alors, moins 3, moins 3, moins 2, moins 2. Et merde, fichier, bordel de merde. Bon. On va recommencer. Alors, moins 3, moins 3, ce sera moins 0, 0, 0. Ça va, ils compressent pas les 0, c'est bon. Ok. Donc là, je peux copier cela. Et enfin, voilà. Donc j'essaie évidemment de faire le script le plus light possible pour les calculs. Parce que j'aime pas quand ça prend de la place inutilement. Voilà. Donc là, on est en diagonale 7. Donc c'est moins 3, moins 3. Moins 2, moins 2, moins 1, moins 1. Vérif up. Donc x, on s'en fout. Ah oui, d'ailleurs, tiens. X, on s'en fout. Ok. Là, on est en 9, donc ça, ce sera plus. Là, on est en 4, donc ce sera à gauche, donc c'est que x. Ok. Là, ce sera 6, donc c'est que x. Ok. Diagonale, il y a tout. En 2, c'est bas, donc pas x. Ok, donc là on sera pas mal. Ok. Enregistré. Vérif 8, donc ça c'est up. Donc c'est-à-dire moins 3, moins 2, moins 1. Vérif 9, ce sera en positif x mais négatif up, y. Donc plus 3, moins 3, plus 2, moins 2, plus 1, moins 1. Ok. En 4, moins, donc c'est moins 3, moins 2, moins 1, plus 3, plus 2, plus 1. Vérif 1, donc c'est bas, droite, donc c'est négatif x, positif y, moins 2, plus 2, moins 1, plus 1, je me suis trompé, et encore une fois, putain de merde, moins 2, plus 2, moins 1, plus 1, ok. Vérif 2, c'est en bas, donc c'est-à-dire moins 3, pas du tout, d'ailleurs pas du tout, c'est... plus 3, plus 2, plus 1, et en 3, c'est donc tout en positif, plus 3, plus 3, plus 2, plus 2, plus 1, plus 1, on enregistre et on teste. Et ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que lui et lui et lui? Ok, alors 1, sinon 0. Ok, lui plus grand que l'autre, 1, et donc vérif autour, false ou true? True, 1, 1. Ouais, ça a l'air pas mal. L'algo est bon, par contre, c'est peut-être ouais, un problème de parenthèse, je sais pas quoi. Ouais, là, il y a une écolade dans 98. Hein. 80... Ah ouais, lol. Putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? 1, c'est quoi? C'est plus 1. Ouais, ça a l'air de ça, ouais. Ok, merde. Ah oui, c'est parce que j'ai effacé. Ouais, ok, ok. Je vois. Donc, si je mets un rouge là, lol, ça tout crache. X8 is not defined, super. IX8, bah oui c'est IY, espèce de... Hein, bon, IY, bon, 8. Tiens, je vais même copier ça, voilà. Ok, bon, je vais essayer de poser, ok, donc IX2 n'est pas correct non plus. Ah mais c'est pour ça qu'il était enfoncé. Oh, ce logiciel est tellement bien, mais je ne sais pas l'utiliser en fait. IY2, je veux dire, si c'est foncé, ça veut dire que ce n'est relié à rien, quoi. Ok, donc si je mets un jaune là, merde. Joueur 2 a gagné, mais le joueur 1 on s'en fout quoi.
Bravo joueur 2. Ah ouais, le joueur 1 il est ignoré, mais tellement que... C'est quoi ce truc? Plus petit 7, donc 6, ok. 4 plus plus, 6, 4, 5, 4, 1, 1. Vérif. Alors du coup, il me faudrait le X et Y. Ça va être long. J'ai envie de manger des M&M's. Alors, cette publicité, tu sais. Alors, 1, 6. Ça, c'est bon. 6, 6. Ok. 1, 6, 2, 6. Très bien. On voit qu'il n'y a que deux cases qui sont testées à chaque fois. Mince. J'ai... Ok. C'est tellement bien. Ok. Donc là, si je mets un rouge, il y a 2, 5... Donc là, c'est le pion qui est vraiment là. Ok. Ensuite, il y a 0, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6. Et là, il va trouver que j'ai pas du tout gagné mon tour. Rien à foutre. Bon. Comment fait-on? Ah oui, d'ailleurs, c'est HK qui vérifie. Tiens. 0 ou 1. Donc, pardon, c'est. Là, c'est 4 qu'il vérifie. Mais d'ailleurs, il a ajouté au tableau ou pas? Bah oui, il a ajouté en plus. 4 plus acquis. Donc lui, on vérifie 4 plus acquis. Voilà. Ça, c'est bon. HK, ok. Par contre, le HK, il est envoyé là. Oh la vache, en plus il comprend que... Oh, oh ce logiciel c'est de ouf. Donc lui, HK, par rapport en X, donc c'est 6. Ok, donc là, il faudrait que je vérifie cette ligne-là entièrement. Alors, if X6, X6 c'est avant-avant-dernier, est-ce que I4 est inférieur à 4? Est-ce que I4 est inférieur à 4? Bonne question. C'était 06. Donc 06, donc 6, bien sûr que oui. J'espère. Ouais. 6 est inférieur à 4, bah non. Ah merde, mais attends, 06, il y a pas une inversion de x et de y là? Où est-ce que c'est? Ici. Y, x, ouais. Y, c'est bien 3. Donc là, c'est y, ok. Ah merde, je crois que j'ai inversé les deux ici. Ah ouais, complètement, ouais. Oh là là, quel connard. Voilà. I3, 4, 4. Et donc c'est d'abord le I... Bah non. Bah non, c'est Y. Non, non, c'est bon en fait. Attends, I3, c'est bien le Y. I4, c'est bien le X. Donc X, il va d'abord. Y, il va ensuite. Donc là, c'est le X. On vérifie là. X, X, Y, Y, ça c'est bon. C'est terrible. HK, 1, 1, 1, 1. I3 égale 0, I3 égale 1, ok, I3 égale 1, ok. Alors, boucle, 1, 1, 1. I3 et 4, donc x, y, y, x, pardon, ça c'est bon. Le i3 voit après, ok. Ah, donc peut-être que le x. Est-ce que si c'est plus petit que 4 hein? Bah non. Ah oui, non, c'est l'alerte, je pense qu'il était nul. Attends, si je remets i4, c'est quoi? C'est en x? C'était 0,6, hein, c'est bien ça. Donc là c'était bien, c'était I3 qui valait 6. Donc tout va bien en fait. I3 valait 6, donc est-ce que I3 est plus petit que 4? Oui. Est-ce que I3 est plus grand que 2? Non. Si, attends, non, c'est parce que c'est... Oh putain, je sais plus, c'était 0,6. Je sais plus. Je vais revoir le live là. Bon. Ouais, ou alors je remets ça pour l'instant. Alors, si je pose un pion, il est en 1, 6. Je vire tout ça. Putain, j'arrive pas à le virer. Okay. Il est en 1, 6. Donc, c'est-à-dire... X1,
Y6. Ok. Alors, je vais marquer ici. 6, 1. Y, 6, position 1. Jusque là, on est bon. Donc ça fait 1 et 6. Pour X. Donc, est-ce que 1, 0, 1, 2, 3, 4, index 4, 0, 1, 2, 3, 4, index 4. Est-ce que I4, c'est-à-dire X, est inférieur à 4? Bah non, c'est 1. Bah oui, donc c'est bon. 1 est inférieur à 4, donc ça c'est oui. Est-ce que non, donc ça sera non oui. Voilà, je vais marquer 0, 1. Et est-ce que I3 est supérieur à 2? Non. Ah merde, vas-y, puisque c'est 6, donc oui. Est-ce que 6 est inférieur à 4? Non. Donc là, on n'est que avec le 6 et le 8, puisqu'on est en bas à gauche. Donc on ne peut vérifier que si c'est 8, c'est super, ça marche bien. Ok. Très bien. Donc est-ce que si... Oui. Donc on peut vérifier à droite. OT est égal à table de IX plus 3. Par exemple le 1 ou le 0 de tout à l'heure, mais voilà, 0 plus 3, ça c'est bon. Ah putain, j'ai inversé les x et les y ici. Oh, ça va être horrible à modifier. Bon, allez. Mister Clavier, alors. Ce ne sont pas des y. Ouf, et encore là, on n'est pas obligé, puisque c'est heureusement pas un gros problème. Oh là là. Voilà, j'ai fait une ligne. Il en reste 5, 6, 7. Il en reste 7. Y moins 3, Ix. Ok. Y moins 2, Ix. Oh là là, mais quel... Y moins 1, Ix. 3, 2, 1. Ok. Ensuite... comme ça, ouais, ça peut aller. Ok. Quasiment la moitié. Qu'est-ce que c'est long? Ok. C'est la passion, c'est la passion. C'est la connerie surtout. Ok, et enfin la dernière ligne. Ok, maintenant on teste. Allez, go. Donc. Merde. Oh là là, mon joueur 1 a gagné, mais c'est fantastique. Ok. On va essayer en ligne par rapport à un rouge et un jaune ici. Jaune a gagné, super. Bah franchement, ça, franchement ça le fait.
C'était extrêmement long à faire, je me suis planté en plus, donc il a fallu que j'inverse tout, mais c'est bon. Donc les cases sont bonnes. Est-ce que à la limite, si jamais la case est vérifiée et valide, est-ce que j'irai pas changer la couleur des pions? Je m'ajoute de ces contraintes. Et donc là, je viens de faire un script de vérification de pions. C'est génial. Super. Putain, les musiques qui hurlent, mais c'est bon, quoi. Eh, calmez-vous. Donc là, on va mettre, je sais pas, des pions... Il faudrait une autre ligne, en fait. Ouais. Donc, on va faire une troisième ligne, avec les pions qui ont gagné. C'est juste pour le style, hein. C'est... donc là, je descends cela. 384. Hop. 1, 2, 3, 4. Donc 300. Non, c'est 256. 3, 4, 5, 6. Non, c'est 128. 7, 8. Ok. Et donc ici, on efface. Ah merde, j'ai 3. Non. Ah si. C'est fou ça. Attends. Il y a un truc qui sonne là. Qu'est-ce qui se passe? Nia, 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 nia. Ouais. Alors attends, je vais juste aller sur Discord deux petites secondes. Tac, tac. Yep et toi. Donc ça c'est good. Alors je vais télécharger cela plus plus follow home power rêve et sun. Alors combien j'en ai? Beaucoup. Alors AA BF, on va vérifier. A. Ah mince. Attends, est-ce que celui-là je l'avais? Ah non, je crois pas que je l'avais. Oh, je vais vérifier au cas où. Oh putain, les fichiers. Comment ça s'appelle? F. Non, on. Non, je l'ai pas. Donc je vais télécharger. Voilà. Une autre. Mais non, je l'avais déjà en fait. Oh là là, mais quel. Possible ça? On the. Ok. Donc A, A, B, F. Et pour finir. H, P, R, S. H, P, R, S. Super. Donc ça, c'est bon. Nickel. Et donc c'est cool, hein. Donc ça c'est bon, donc je peux retourner là et enfin réafficher ceci. Il n'y a plus qu'à faire des animations et un meilleur pop-up de Win. Tu peux dire, oh là là, attends, je vais voir ça. Tac, tac. Qu'est-ce que c'est le Sweet Alert 2? Ah ouais, c'est clair. Après, c'est du style, donc je vais pas trop kiffer, mais ouais, carrément. Est-ce qu'on peut... Normal Alert, un truc basique, alors que le truc... Waouh. Ouais, ouais. Ah, oh, c'est beau. Hein. Ah, quand même. Good. Ok. Good job. Success. Click the button. Ouais, ouais, ouais. Ah, oh, putain. Bah, allez, vas-y, je l'installe. Comment... Try me, machin... est-ce qu'il y a un truc simple, ou est-ce qu'il faut que je force le code comme un gros taré? API, JSON, download... Ouais, ça va être chiant. Donc alors, c'est quoi? Bouton classe alerte, execute sample, on click. Ouais. Donc là, par exemple, on gagné, là, où est-ce que c'est? bravo joueur. Ça sera ça. Sweet alerte. Comment on la config? Small fire. Merde alors, attends. Par exemple, code 101. Parce que je vois pas de swell en fait. Ouais, bref. Donc alors, swell, machin, machin, nanana. Donc, execute sample. Example. Contrôle U. Execute sample, place following code until load. Ouais. Unclick alert, sweet alert. Ah, c'est fou, c'est la même. Basic message. Ok. Title, error type, long, custom.
utilise le CDN. Bah, j'aime pas vraiment, en fait, je préfère avoir le code chez moi et le compresser. Je suis très chiant, je suis très... comment est-ce qu'on dit, tu sais, nazi là, comment est-ce qu'on dit, putain, extrémiste, dans la gestion. Par contre, il y a de ces configs, mais what, multiples et tout, mais trop la teuf, quoi. Et ouais, du coup, CDN, c'est celui-là, custom HTML, custom animation, oh, il y en a plein, attends, sweet machin, sweet alert, hein. Je vais essayer ça, mais alors je garantis rien, mais ok. Oh, par contre c'est lourd, hein. Oh la vache. Sweet. Sweet alert égale E, sweet alert 2, sweet alert 2 requir. Ah oui, puis non, parce que j'ai essayé de rester en canvas. Attends, deux secondes, je réfléchis. Si j'appuie, on peut afficher un truc, on peut... Ouais, non, flemme. Franchement, flemme. Ouais, là, 72K, juste pour un bouton, c'est 72 kilooctets, alors que tout le jeu, bon, je vais pas prendre le son, hein, mais tout le jeu avec l'image et tout, il fait 23K, donc c'est que c'est un peu absurde, quoi. Il me faudrait juste un bout de code con, en fait, un truc simple, parce que faire une page web qui fait 4 mégas, tout ça pour un bouton, alors le bouton est joli, hein, par contre, quand j'appuie, non, c'est vraiment sympa, ouais. Faut copier l'idée, en fait, tout simplement. Comment je pourrais faire ça? Sweet alert. Bah du coup tiens, je vais faire sweet alert bravo. Merde, la copier. Voilà. Tac. Arrêt du jeu, go menu, on s'en fout. Sweet alert bravo. Donc là il va exécuter tout simplement une sweet alert. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Donc il y aura un message. C'est ça, hein. Ok. Voilà. Merde, j'arrive à écrire. Mais non, mais c'est même pas ça que je voulais faire. Bon. Mess. Voilà. Donc le message va être retenu. Non, le message va être affiché. Non, ou alors encore mieux. Je vais faire un objet. Et je vais mettre point F. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Comme ça, je peux mettre sweet alert est égal à un objet. Le message. J'adore cette musique. Message vaut rien et f vaut une fonction par rapport à un message qui va dire que sweet alert, bon c'est un peu con de le faire ainsi, mais sweet alert point m2s est égal à m2s, ou alors j'instancie carrément un objet. Est-ce que je fais un objet ou pas? Tiens, je te laisse décider. Est-ce que je vais carrément créer un objet pour ce truc là, ou est-ce que j'utilise un genre de, comment on appelle ça, un abstract, message machin point s, je sais pas. Je prends une toute petite pause. Est-ce que j'ai un truc à bouffer? Oui, une crêpe. Je coupe le micro parce que la crêpe va être dégueulasse. Je te laisse répondre. micro. Non. Parce que tu vois, le gaming, c'est un objet que j'instancie à chaque nouveau jeu. Donc l'idée, c'est que quand tu vas vers la fenêtre de jeu, il y a le gaming qui est instancié à chaque fois. Et du coup, la variable game, c'est le jeu. Voilà. Qu'on peut utiliser. On peut utiliser les méthodes, enfin les fonctions, mais on peut pas voir les variables, quoi. Il n'y a que des get et des set, quoi. Je vais peut-être faire un objet, en fait, parce que si je fais plusieurs alertes... Ah bah non, parce qu'il faudrait que j'ai une variable de base. Ouais, non, tant pis pour l'instanciation. Donc, quoi. F message. Bon. Déjà, on va l'afficher. Afficher, ok. Donc, faut que le message soit prévu par le game. Mm-hmm, mm-hmm.
Est-ce qu'il y a aucun game qui pourrait avoir une alerte? Non. Donc éventuellement on va faire un draw qui va être une fonction qui va contenir pour l'instant que dalle. Pourquoi est-ce que... Ah oui. Donc il copie. Donc le draw d'une fenêtre par exemple loading, je vais peut-être pas mettre pour l'instant d'alerte. Après si je mets pendant le jeu, il faudra que je l'écrive à la fin. Ouais, du coup, on va faire comme ça. Sweet alert en accueil, sweet alert en jeu. Donc il draw et il draw ça. Ok. Config. Et du coup loading aussi. Voilà, comme ça au moins tout le monde aura son petit dessin. Est-ce que je peux avoir ça? Est-ce que par exemple il y a du texte? Ouais, fil texte. Copier. Draw. Alors, est-ce que active? Ou alors on, parce qu'on veut. On, false. Ok. Quand on définit un message, lui, donc machin, point on égale true. Comme ça on l'affiche. Et du coup, il va dessiner un truc orange, parce que c'est un message, donc c'est grave. Non, un truc gris. Comme ça. 512 font ok. Style RGBA. Non, peut-être pas. Ou alors faudrait de l'opacité. Ça serait pas mal ça. Où est-ce que c'est? Pili pili pili. C'est en commentaire quelque part. Ouais, merde, je l'ai perdu. Je cherchais au pas, mais je pense pas que. Non, je l'ai pas. Donc. Pili patou 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 tic. Voilà. Pas du tout. Ok, super. Gna, les jeux, nanana. Ok, c'est là. Et j'ai fermé le dossier, c'est complètement tant pis. Voilà. Non, c'est pas celui-là. Là. Palapata. D'ailleurs, j'ai pas fini ça. Ok. Donc, fil sale 6, draw rec. Donc là, on va écrire en alpha pour redessiner ça. 0,2. Il dessine un fond et il va dessiner du texte. Jusque là ça va. Le texte ce sera bien évidemment le texte qui a été retenu. Lui.ms. Et au centre de l'écran, donc ça 256, 256. Voilà. Et puis on va tester en marquant bonjour. L'alerte sera zou. Non, ici. À se gagner de bravo. Et du coup, dès le chargement, loading, il va marquer bonjour. Non, attends. Attends, c'est quand il draw. Ah merde, ah oui, c'est à chaque. Ah ouais. Draw next. Non, c'est draw accueil. Donc faut que je le retrouve. Où est-ce qu'il est activé? Ok, c'est là. On le retrouve. Et donc là on pourra marquer bienvenue. Voilà. Donc alors nanana nanana. Est-ce que je mets un if? Parce que là c'est un peu. Ouais non, vu qu'il y a deux conditions, ouais. Log, donc lui 1, virgule, lui 1, fin de parenthèse, nickel. Machin, machin, bienvenue. Ok, donc je vais essayer de voir s'il y a au moins un message de bienvenue. Pas du tout. Ah si, 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 ça marque. Putain, c'est génial. Ok, et donc quand je clique. Hey, salut, wesh, comment que c'est? Fougère gang, oh les gueules. Comment que ça va vous? Qu'est-ce que vous en pensez de mon super code que vous ne comprenez pas? Et du coup, donc bienvenue. Ah oui, du coup, il dessine mal le bienvenue en fait. Preload, init, raise, gnagnagna, gnagnagna. Il est où le BG? Ah. Ok. Donc 0,2, on met sur 8, hein, on va tester. Hop. Nickel, putain ça marche trop bien. Par contre du coup quand je clique je peux jouer avec le message d'erreur en plus. Mais du coup si je gagne. Merde.
Bon, faut être bon pour gagner, mais... Alors, est-ce que c'est rouge? Ouais. Bravo, joueur 1. Ouais. Ouais, parce qu'il est affiché, quoi. Ouais, c'est nul. Comment que ça va bien? Bah, ça va vachement bien. Oh, les connards. Putain, c'est quoi ce raid de merde? Ouais, toi, évidemment, tu le comprends. Je veux dire, monsieur Promise... Non. Il est long à détente, ton chat. Ouais, ouais, il y a une latence de peut-être 15 secondes. Et d'ailleurs, si vous allez en bas du lecteur YouTube, à droite, il y a la modification de la vitesse. Donc vous mettez 1, 5 ou 2 pendant à peu près 1 à 2 secondes. Et ça va vous avancer dans le temps, en fait. Parce que là, vous devez avoir un buffer genre de 10-15 secondes en plus des 10-15 secondes déjà de base. Donc ça rajoute énormément d'attente, ce qui est absolument terrible. Voilà. Mais bon, faut savoir que dès que vous m'écrivez, je le lis. Enfin, je peux le lire. Mais par contre, quand je parle, ça met v'là le temps entre la destination YouTube, la destination votre PC et l'attente de votre PC avant de vous foutre à l'écran. Parce que du coup, il y a le dernier buffer. Raid de fougère, mais ouais, c'est trop mignon. Du coup, vous êtes combien là? Attends, j'ai pas lu les pseudos. Gna 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 gna. Vous êtes au moins 3. Team fougère. Ah non, gang, pardon, fougère gang, excuse-moi, j'ai mal. Non, non, non. Il y a une minute, c'est le fou. Non, hé. Hey. Tu viens de marquer une minute sale fou, je viens de le voir direct. Et il y a... Ah bah non, du coup, faut que ça revienne chez toi. Ouais, donc tu dois avoir un buffer encore plus gros. Mais je te dis, ou même plus simple, tu vas sur, tu vas focus la barre en bas là du lecteur YouTube, et là où tu peux cliquer ou que ça bouge pas, et tu vas à droite. Et du coup, ça va te permettre de gagner 5 secondes. Voilà. Éventuellement, t'appuies 3-4 fois à droite, et puis ça te fera crash, et tu te mettras un buffer 3 secondes, et bon, c'est réglé, quoi. Et comme ça, t'auras moins de latence. Par contre, évite le spam, c'est vraiment chiant, ça, par contre. Ok, bah coucou aux 4. Ouais, tu vois, tu marques qu'on est 4, mais... En tout cas, avant que ça arrive chez moi, que ça passe par YouTube et que ça revienne chez moi, ça met... allez, 12-13 secondes. J'adore le... C'est quoi ce petit code de merde? Ça, YouTube propose ça? Attends. Arrêtez de bouger, là. Eh hey. Putain, quel bon enfoiré. Non, non, mais arrêtez le spam, par contre. Ah non, j'arrive pas à voir l'image. Par contre, c'est marrant ça, le loading. Et du coup, voilà. Et du coup, mon logiciel, il accepte tout. Ouais, c'est bon. Ok, il n'y a pas de bug de couleur. Ou... Parce que j'ai essayé de mettre blanc. Voilà. C'est-à-dire que normalement, c'est pas blanc. Tu vois, si jamais je vire la couleur comme ça, tous les pseudos sont gris, le texte est noir. Enfin, c'est un de ces bordels, ce truc. Alors qu'avec mon petit style, ben, c'est un peu plus joli, quoi. Voilà. Enfin, plus joli, c'est un peu plus lisible. Voilà. Bon, du coup, je reprends mon code 0806050905. Voilà. Et donc, si j'arrive, il dit bienvenue et c'est super. Ok. Donc, faudrait que je mette un bouton. Mieux, c'est dommage. Forever, ouais, c'est clair. Enfin, je sais pas si on peut. Oh non, c'est horrible. Attends, je vais tester une commande. Gros enfoiré, quoi. Attends, je sais pas si vous êtes. Attends, je vais juste muter l'écran deux petites secondes, hein. Voilà. Bon, cela dit, il n'y a que vous qui êtes sur... sur ce cartouche. Alors, ok. Ouais. Ah, petite surprise, celle... Hein, trois petits points. Ok, donc ça, c'est bon. Tac, je repasse là-dessus. Ok. Bon, après, les gamins, vous arrêtez vos conneries, hein, parce que... je vais retourner... Oui, donc, il me faut un bouton. Donc, pour ça, faut que le curseur de souris clique... sur X, Y, Z, machin, donc lui on va mettre désactiver. Non, on peut mettre lui on.off. Ouais, ça peut le faire. J'ai vraiment pas ONCL. Après, par contre, est-ce que ça vous intéresse vraiment le code? Parce que si vous voulez tous coder, c'est trop marrant. Ça peut être sympa. Putain, le dab, sérieux, l'émoticône dab quoi. Tous les émoticônes de YouTube. Mais ouais, c'est ouf. Attends, je sais pas si j'ai accès au. Connectez-vous. Ah oui, c'est vrai que je suis pas connecté sur ce PC là. Ouais, voilà, j'aurai appris. Mais en tout cas, c'est stylé. Franchement, YouTube, pour une fois, GG. Je veux dire, on est en 2020 et on a des émoticônes, tout comme dans les années 2003-2004. Donc voilà, vous n'étiez même pas né probablement. Non, je déconne. Mais voilà, ça fait du bien de voir que ça marche enfin un peu. D'ailleurs, je tiens à dire que le site du gouvernement, bah, il marche bien. Ça me brûle la bouche de le dire, mais putain, c'est vrai quoi. Tu vas dessus, tu cherches de l'aide et tout, t'es redirigé correctement, il n'y a pas de plantage.
Putain, et au bout de 15 ans, leur site, il fonctionne, quoi. Waouh. On dirait que je suis passé par là. Non, je déconne. Alors, mec, il parle trop, quoi. Donc, lorsque je clique, la touche 65001 se met en route. Et if machin truc. Ah, bah, du coup, faudrait plutôt if ici, ce serait plus propre. Ouais, non, on s'en fout, vas-y, tu sais quoi. Donc, est-ce que machin.on égale false? Sinon, 0. Donc là, c'est x, y. Voilà. Donc, comment voir ceci? Ce sera ee. Je sais plus comment on fait. Je vais marquer console. ee. Marde. Tech. Mouse. Comment est-ce qu'on voit le x, y? Donc, alors, ici, ce sera quasiment 0. Bah, tout simplement, x, y. Super. Donc, est-ce que ee.x est supérieur à 256 moins 10, 246? Je mets vraiment de la merde au début, hein, mais c'est pour tester. Et x est inférieur à 266. Et y est supérieur à 246. Et y est inférieur à 266. Ok. Yeah. On est 6. Le vieux gang. Mettez des pouces rouges. Voilà, mettez plein de pouces rouges parce que c'est bien. Tu as n'importe quelle manette Bluetooth? J'ai aucune. J'ai des manettes filaires. Mais oh, je sais pas où elles sont. Elles doivent être dans des cartons à la cave, planquées depuis des années. Du coup, si je clique au milieu. Eh ben non, ça ne marche pas. Est-ce que lui est plus grand que 0 et lui inférieur à 1000 et lui supérieur à 0 et lui inférieur à 1000? Lui.on égale false. Clique. Ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Et parce que le on n'est pas pris en compte, donc là je vais remettre les valeurs de merde. Voilà. Y, Y, X, X, machin, nanana, inférieur, supérieur. Ok. Donc l'objet, il va vérifier si lui.on. Est-ce que lui.on. On va mettre un petit if pour une fois. Je déteste les if alors qu'en fait c'est vachement pratique. Je peux faire le ternaire, moi je suis un ouf. Tech. Voilà. Et du coup, si je mets un bouton, il suffit de cliquer sur le bouton et ah, ça disparaît. Super. Donc genre tu joues. Voilà. Si j'arrive à jouer n'importe comment. Voilà. Tech. Et du coup tu cliques et hop, ok. Voilà. Bon alors c'est sûr qu'il n'y a pas de super animation et tout pour l'instant. Mais c'est bien plus léger. You, Body, le gros. Bobby. Ah bah ouais, bah il est là, là. Tout à l'heure, oh putain, il y a environ 2 heures, j'étais encore en live dans la première partie que personne n'a vu. Et parce qu'apparemment il n'y a pas de notif et tout, what the fuck. Et putain, il y avait le chat qui s'installait sur moi, mais genre trop mignon quoi. Donc voilà. Il fait très bien et il me pousse autant, toujours autant, tu vois. Il s'installe, il me pousse et je peux pas programmer, voilà. Il programme à ma place, qu'est-ce que j'y peux. C'est pour ça que le code est aussi bon, tu vois. C'est... Il met sa patte. Un chat dans un carton. Ouais, cela dit, ouais. C'est vrai qu'à une époque, je voulais le foutre en carton et en fait, il allait dessus, pas dedans. C'est un chat, hein, faut pas comprendre. Un charton, putain. Ok. Là, ça marche, je vais chercher web. Web. Gna 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 gna. La gueule, c'est quoi ce singe là? Je l'ai déjà vu quelque part lui. Putain, GG. Toi, j'ai fait ça aussi. Ah ouais, non, mais c'est dingue quoi. Il s'installe, il te pousse, mais ouais, enfin, juste j'ai envie d'être à l'ordi quoi. Voilà. Et connecting to HID. Ah ouais, putain, mais oui, mais carrément, pour jouer à la manette et pas là. Mais je sais pas où elles sont mes manettes, attends, je réfléchis. Manette, manette, tech. Elles sont dans le carton USB. Je sais exactement où elles sont. Après, est-ce que j'ai envie de jouer à la manette? Non. En vrai, je. Non. Putain, elle est trop bien cette musique. Oh putain, faut que je finisse ça aussi, j'ai pas fini depuis tout à l'heure. Alors attends, faut que je. J'annule ça. Alors. Je vais rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, nickel. Tac.
Ok, je me suis niqué. Ah non, c'est là, c'est bon. Tac tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2. Ok. Et donc là, faut juste que, je sais pas, j'inverse les couleurs ou je sais pas. Non, c'est glace. Est-ce que je peux. Je sais pas. Faudrait que je rajoute des ronds en fait. Des ronds verts. La poule, le caca, fait la poule, fait. Pardon. Tu verras, ça sera plus cool. Putain, c'est. Oh, cette musique horrible. Oh mon dieu. Alors. Est-ce que je peux avoir un rond? Oui. Un rond vert, bien entendu. Ah oui, donc tu voudrais que je connecte une manette sur le jeu. Ouais, vraiment. Alors, c'est possible, hein, je peux le mettre en add-on. Je peux même faire un truc à la souris. J'avais fait un Tetris, par exemple, à la souris, et tu pouvais cliquer, ça marchait vraiment. Tu pouvais déplacer, entre guillemets, la pièce vers la droite, ou la gauche, ou vers le bas. Et c'était bien. 256 plus, comme j'avais dit, 4, donc ça fait. Non, 4 plutôt, ça fait 260. 260 et 4. Avec une nouvelle image. Voilà. Ça sera bon. 4, 260. Putain. Ok. Et donc, j'ai besoin d'une taille de 120, je crois. 128.4, ouais, c'est ça. Avec une forme de rond. Voilà. Un peu plus épais. Soyons fous. Voilà. Est-ce que je peux dupliquer et aller vers 1, 2, merde. 128. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nickel. Enregistré. Ok. Enregistré. Tac. Donc là, il faut que je définisse des nouvelles positions de pions. Tic. Voilà. Enfin, il n'y a pas de truc sur l'écran dégueulasse là. C'est bon. À part des émoticônes. Pardon. Après, c'est d'implémenter l'app du téléphone à mettre avec OPG. Ah non, non, mais en fait, le JavaScript a déjà une compatibilité native. J'avais un jeu à l'époque, c'était un jeu de bagnole, je crois, où je pouvais à la droite et à la gauche. Je sais plus si j'avais des joysticks, mais en tout cas, ouais, sur la manette. Non, bah non, c'était un Tetris, justement. J'avais un Tetris sur manette, et voilà, mais j'utilise jamais de manette, hein. Je suis pas très console, donc voilà. Donc c'est vrai que la manette pour moi égale console, et du coup ça me plaît pas trop, mais clavier-souris ça va tellement vite. Mais après, ouais, jouer aux puissance 4 avec une manette c'est comme la classe. Ce serait, ouais. Et bientôt avec les caméras là, 2D, 3D, je sais pas quoi, il y a peut-être moyen de faire des mouvements avec les mains pour avoir les pièces qui bougent. Vraiment, réalité augmentée. Je vais un peu loin là, donc alors, qu'est-ce que je voulais? Oui, redéfinir les boutons, donc gagner. Rouge gagné. Ok. Y, ce sera en 256, tout à fait. J'adore cette musique, putain. Donc si jamais la position est bonne. Comment je pourrais faire? Lui plus égal à 1, qui vérifie. Ah non, je peux faire un et. Ça va être encore long ce truc. Donc lui et lui. Ok. Donc lui et lui. Lui et lui. On a fait la moitié. Hein. Ça va aller. Ok. D'ailleurs, je me suis commandé un petit micro là à 1,20€, je crois. Donc deux fois plus cher que le micro que j'ai actuellement. Donc du coup la qualité sera au moins deux fois meilleure. Pardon, je rêve un peu là. Mais parce qu'en fait j'en ai marre des parasites. Donc je vais essayer d'avoir une... Ah oui, j'ai acheté une carte son aussi. Genre 89 centimes, je sais plus. Donc normalement j'aurai un meilleur son dans quelques temps. Faut que ça arrive, hein. Ça arrive de Chine, il y en a pour 3 semaines. Mais au moins j'aurai du bon son. La réalité augmentée est déjà supportée avec le web. Attends, genre tu importes une image et il capte déjà le XYZ? Enfin, XYZ, pan tilt et qu'est-ce qu'il y a encore? Et Yao, je crois. Je sais plus comment est-ce qu'on dit, c'est quand tu rotates sur l'angle, sur la ligne des X, je crois que c'est un pan. Attends, panoramique. Non, pan c'est Y, Z. Enfin, c'est vertical quoi. Pan tilt. Ouais, je crois que le tilt c'est par rapport à l'axe en face, donc X, Y. Et le X du coup ce serait
Monter, descendre, je sais pas, c'est par rapport aux avions. Moi, je sais pas. Ok, ok. Non, c'est intéressant. Hein. Moi, j'avais fait. Puis je pourrais te le montrer un de ces jours si je retrouve le dossier dans, dans mon bordel. Ouais, carrément. J'avais fait un double écran. Donc le jeu était dessiné deux fois. Et du coup, si tu t'approchais de l'écran, bah, tu pouvais voir en 3D. Ouais. Parce qu'en fait, je suis tellement pauvre que je n'ai pas de lunettes 3D. Mais j'adorerais, putain, programmer en 3D, mais quel kiff, mais oh, là je te ferai le jeu en 3D. Là, là je mettrai ça en 3D, et puis bon, bref. Donc, bref, il y a moyen de faire beaucoup de choses. C'est la technologie. Donc, alors, OT. Ok, donc lui on va totalement les remplacer. Remplacer ça par plus. Voilà. Et donc lui, on peut dire que comme il a vérifié les cases d'au-dessus, il va changer les cases d'au-dessus. Et la case actuelle d'ailleurs. Donc if retour, dans ce cas, il va changer la case. Putain, j'ai froid. Mais je mets le chauffage, hein, parce que, au bout d'un s'il vous plaît. Donc là, j'ai fait une démo en vidéo, mais je n'ai toujours pas uploadé la vidéo. Donc c'est un vieux chauffage à gaz. Donc j'allume le, je tourne un petit peu le bouton, le bouchon de bouteille. J'appuie, enfin j'enfonce le bouton pour envoyer du gaz, pour forcer l'envoi du gaz, ce qu'on appelle le starter. Hein. Enfin je crois que ça s'appelle comme ça. Et j'appuie sur le bouton du tweezer. Comment on appelle ça? C'est pas Twitter, je sais plus C'est pas Twister? Non, je sais pas. Twitter, comment on appelle ça? Taser, enfin je sais pas. Bon bref, le truc qui fait une étincelle. Et du coup la flamme s'allume. Donc après tu restes appuyé un petit peu, tu relâches, et au bout d'un moment, là, là, voilà, là t'as toutes les flammes qui se mettent en route, c'est trop beau. Par contre c'est beaucoup trop puissant, c'est-à-dire que là le chauffage est déjà chaud. Tu vois, la petite flamme s'est mise en route, ça a mis du gaz un peu partout, tu attends un petit peu, ça s'allume à fond, donc t'as toutes les flammes qui se mettent en route, et c'est déjà chaud, tu vois. Un chauffage électrique, t'attends 30 secondes, tu vois, que ça se mette en route, quoi. Là c'est instantané, quoi. Et ça consomme rien. Bon bref, je suis trop content. Avec Tri.js, ouais. Ouais, ouais. Le problème. Alors, je suis vraiment un con. Hein. Le Tri.js me semble trop lourd. C'est-à-dire que j'ai hein, je peux te montrer un petit projet en Tri.js. Progras, 3D machin, là, les premiers jeux de merde. Mesh, tab, non, ça c'était mon truc. Canva depuis lumière, c'est pas ça. Lumtext 3D, c'est peut-être ça. Non, c'est pas ça. Merde. Moteur 3D, c'est pas ça. Moteur 2D. Size, à compresser. C'est quoi ça? Oh la gueule! Mais merde alors! Alors attends, je vais tous les faire. Hein. Donc alors, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Là, il y a pas non plus. Non, non. GL Shade. Mais en gros, ouais, c'est beaucoup trop lourd quoi. Là par exemple, je sais pas si je mets ça en route. Tech. C'est en 3D. Il y a une gestion de la lumière, hein, comme on le voit. Donc bien sûr, on peut mettre plein d'objets, plein de textures, plein de machins. Et donc le petit cube pèse au total, hormis les images, parce qu'on s'en fout, hein, vu que ça, je l'ai pas mis en route, hein, donc on s'en fout. Ça pèse 42 kilooctets. Okay. 42 KO, et j'ai du 3D avec gestion de lumière, avec tout ce qu'il faut. Hein. Voilà. Ouais, j'ai plus de canvas, what the fuck. VBS, pas ça. Tri, voilà. Bah le tri fait un méga quoi. Voilà. Après ça marche hein. C'est sûr que faire un truc en 3D, ça tourne quoi. Et encore niveau FPS c'est pas ouf. Peut-être ouvrir avec Firefox ça marchera mieux. Hop. Voilà. Là niveau FPS on est un peu mieux. Alors c'est sûr que ça marche. Mais par contre. C'est lourd quoi. Enfin un méga en tout cas ça me semble lourd. Alors bien sûr c'est que un méga et blablabla. Mais quand tu dois modifier le code, bon. Voilà quoi. Mais par contre tout est fait, hein. C'est clair que le Tri.js, alors là, tu cliques par-ci par-là et. Oh l'image dégueulasse. Attends, je vais voir. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que ça donne en quasi HD? Est-ce que c'est beau? Oh, c'est dégueulasse. Oh, je suis désolé pour la qualité du stream par contre. Oh là là là. Tellement immonde.
Donc ça, ok. Ça, on va laisser comme ça pour l'instant. Voilà. Ok. Donc lui est égal à plus 4. Non, je sais plus. Enfin, c'est H, K, I, plus 2. Un truc comme ça, je sais plus. Alors... Mais je suis vraiment un con parce qu'en fait le TriJS fonctionne vraiment bien. Il est quand même optimisé, tu peux faire énormément de trucs. Là on voit, il y a plein d'arbres, il y a la gestion de déplacement de la caméra et tout. Enfin, d'ailleurs, le script, je crois qu'il inclut la possibilité. Parce que je vois la rediff du live là, quelques secondes après. Le TriJS, il inclut la gestion des lunettes 3D. Et il fait 1 méga. Donc effectivement, c'est un peu lourd, mais ça contient tout, tu vois. Donc comparé à un script qui fait 40 kilooctets et où il n'y a vraiment pas grand chose, bon, il y a ce qu'il faut pour mes petits jeux, mais je sais pas. Pour l'instant, je suis pas pour, mais peut-être que dans le temps... Tu utilises WebGL sans TriJS, mais c'est super dur à apprendre. Oui, totalement, oui, mais c'est ce que je fais. Hein. Ouais. Le WebGL, alors attends que je dis pas de bêtises. Puissance 4. HTML Music, jeu, mon copain, voilà. J'ai pas un petit truc 3D là. Le Simon, le Snake, le Sudoku, Toyon, Chanel, non, musique, le. Bah putain, j'ai pas de jeu 3D là. Ou sinon, on peut retourner sur ce fameux truc de très basique. Où est-ce que j'avais mon petit script? C'était pas celui-là. Funk, bon, c'était 2D. Oh, je sais pas. Bon, bref, mais en gros, ouais, là c'est gestion avec gestion de lumière et tout. Enfin, c'est plutôt un petit peu complet déjà de base. Hein, il y a moyen de s'amuser pas mal avec. D'ailleurs, la lumière bouge. Hein, c'est-à-dire que si je me mets là, voilà, on voit clairement que ça bouge. Non, là on voit pas. On ne voit toujours. Oh, là on voit. Là ça commence à s'éclaircir pas mal. Voilà, bon, là on a vu que ça bougeait. Mais effectivement, et là, gestion 3D, lumière et tout, 34 kilooctets, quoi. Voilà. Donc, mais par contre, ouais, c'est plus compliqué. Parce que là, ben, voilà, c'est création d'un côté, c'est gestion shader de l'autre, c'est voilà, la scène, donc avec tous les objets qu'on pose et tout. Voilà, quoi. Mais après, je crois même qu'il y a une gestion automatique des polygones, tu sais, du nombre de faces quand t'es loin. Donc t'as plusieurs formes qui sont prévues pour avoir des low poly ou des high poly lorsque t'es proche. Enfin c'est vraiment... C'est fascinant hein. T'imagines que là on est sur une pauvre page web et on peut faire un jeu en 3D quoi. Mais what the fuck, c'est trop bien. Donc voilà. Et d'ailleurs j'en profite pour faire des jeux très légers quoi. Voilà. Genre là par exemple le Puissance 4, bon il est un peu pourri j'avoue, mais il fait pas 30 mégas quoi. Progrès, alors attends, tac tac tac. Puissance 4. Voilà, hormis l'image, par exemple, si on retire l'image, 12 kilooctets quoi. Voilà, t'as plusieurs écrans, t'as machin, t'as le jeu hein, qui fonctionne. Je suis extrêmement content. Je préfère programmer de zéro et me prendre la tête à faire des trucs de dingue plutôt que. Enfin, à faire des trucs que je commence de zéro et où ça se termine pas mal. Genre ça, par exemple, actuellement, j'en suis vraiment très content. Quoi. Ça fonctionne vraiment très bien. Alors que si je copie des codes et puis que je fais juste des liaisons, ouais, ça marche, ouais, mais ça me passionne pas quoi. C'est comme le bootstrap, tu vois, je copie du code, je le colle, bon bah ça marche, rien à foutre quoi, c'est pas de la programme. Donc voilà, moi je veux vraiment programmer, je veux tout recréer tout le temps, donc voilà. Même si c'est pas spécialement le code le plus optimisé du monde, mais voilà quoi. D'ailleurs je recherche, hein, si jamais, très sérieusement, si tu as des sites, ou un site au moins, qui montre du code léger, genre par exemple... faire un tableau de caractères et réussir à l'afficher, c'est chiant, donc tu fais un string, hein, c'est un objet, ça me semble bien plus efficace qu'un tableau de caractères, même si c'est plus lourd en termes de mémoire lors du stockage, il y a tellement de fonctions que voilà, c'est intéressant, bref. Donc string.quelque chose serait plus intéressant, donc ce serait du code un petit peu compressé entre guillemets, quoi. Ou alors encore mieux, au lieu de créer une variable, par exemple tu vois ici, au lieu de créer une variable, de la modifier et de la return, il y a peut-être moyen que la case soit de toute façon... Je vais essayer de le faire en direct. Donc lui égale moins 1. Lui, à chaque fois qu'il boucle, OT égale I2. If machin pas égal à 1, return
ôté. Voilà, sinon return moins 1 quoi qu'il arrive. If machin return. Alors comment est-ce que je peux faire ça? If i 2 plus petit que 1 return moins 1. Parce que si on trouve une case que c'est la merde, ok. Else. Non pas else. Donc, tech, return OT. Donc là il trouve une case, il la note. Si c'est pas 1, il retourne moins 1. Par contre s'il trouve une autre case plus tard, donc il l'a marqué par exemple en étant 0, donc il teste, c'est pas 1, c'est pas ça, donc c'est 0. Voilà, ça devrait marcher pareil, sauf si bien sûr j'ai oublié du code entre temps. Mais ça devrait marcher, pas du tout, pas de place, ça marche pas. Alors attends, retourne moins 1, est-ce que c'est pas égal à 1? Parce que vraiment c'est 1, ok. Est-ce que la première case est pas égale à 1? Enfin bref, j'essaye de simplifier le code quoi. Ça m'évite une... Ah non, ça m'évite même pas une variable. Ah si, je peux laisser dedans, tiens, c'est pas mal. OT égale moins 1. Voilà. Essayer, je sais pas si c'était un bug. Non, ça marche pas. Alors, 1, si lui n'est pas égal à 1. Donc s'il y a un pion, sinon on s'en fout. Voilà, donc le premier, on s'en fout, puisque... OT égale à 0. If... table i2... Non, c'est i2, ouais, c'est ici. Donc table de i2, 1, 1, x pas égal à 1. Donc c'est le cas. Est-ce que c'est pas égal à 1? Bah non. Bon, je vais même essayer de faire une alerte avec i2. Voilà. Pour voir quand est-ce qu'il. Pas de place. Mais il vérifie même pas. If futur y place libre. Ok. Alors on recommence totalement. Alors futur y égale la place libre jusque là, ok. Par rapport à la position x, ok. Retourne moins 1. Donc nanan, lui plus petit qu'un, ok. Ah oui, il finit la boucle sans trouver de case. Oui, donc retourne 6. Pardon. Voilà. Là, il a trouvé une 6, il a tout enlevé, effectivement, oui, bien sûr, oui, non, mais... bien sûr, bien sûr. C'est quoi ce truc? Tac, tac. Wouah, tout est détruit et tout, ah, trop la teuf. Cannot read 0. Il est en quelle ligne là? 142. Je dois y aller 15 minutes, à plus. Ok, d'accord. J'ai pas eu à temps, mais... Canva x, y... Lui de 0. Table de lui 0. Ouais... Putain, fait chier, mon machin s'éteint. Bon, cela dit, il fait chaud. Donc, ix... Je profite de la dernière, des dernières secondes du chauffage pour y coller mes mains. 0, 1... Ok, ok. Musique insupportable .com. Du coup, oui. Donc là, non, il était là. Table XY. Ah oui, parce que. Bah non. Plus petit que 7, donc ce sera 6. Donc OT égale 6. Donc là il retourne 6 ou moins 1 éventuellement. Mais si lui est à moins 1, il est plus petit que 0, donc il ne l'exécutera pas. Donc lui c'est entre 0 et 6. Donc éventuellement je vais afficher ici. Oh, je vais console. Je vais console l'info, futur y. Là c'est 6. Merde.
là c'est 1. Là c'est 4. Donc là tout va bien. Puisque comme ce n'est pas 1, donc c'est 4. Est-ce que I2 plus petit que 1? Non. Donc il retourne au T. Donc ça va être un arcasse de libre. Donc c'est. Je sais plus. Attends, alerte. T. Ce sera 6. Bah. Non. C'est 5. Ah, mais je suis trop con, mais oui, mais putain, mais c'est possible. C'est lorsqu'il termine la vérification qu'il modifie la case. Donc, il teste, il vient de tester la 0, etc., etc. Donc, 5. Ok. Cannot read 0 of undefined. Property 0 of undefined. Ouais, je veux bien, mais comment... Et futur Y, c'est quoi? C'est 5? Ouais. Donc 6, ok. Ouais, 5, 0, ok. Pourquoi il me... Oh là là là. 4 plus acquis. Donc c'est 0 ou 1 jusqu'à là, ok. Ou alors je vais même carrément retourner ici. Comment on appelle ça le... dispo. Voilà. Dispo égale 6, donc on modifie la case 6. Ok. Dispo égale 5, donc on modifie la case 5. Pff, crash. Super. C'est trop bien. Quel plus à qui? Ah, j'ai... Non. Non, c'est bon, pourtant c'est bien. Non, non. Mmh. Eh ben, je comprends pas. C'est un truc de ouf, quoi. Est-ce que je peux voir la table? On va afficher le tableau. Tableau. Ok. Donc là, il modifie. Alors. Ok. Donc là, il va modifier le tableau. Bon. Si je pose une petite case, il met bien 4. Jusque-là, il peut lire. Ça va. Si je mets ça ici, il met un 4 et un 5. Et lui, il peut pas le lire. Mais quoi ce truc là? En 145, qu'est-ce qu'il fait les... 145. Ok. Lui de 0. Bon, 10 Caucase. 10 Caucase, c'est un tableau. What? Pourquoi le 5 il est undefined? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi le 5 serait changé? C'est complètement con. Ah mais si, mais il est vraiment... Il fonctionne vraiment pas. J'ai oublié des virgules ou quoi? Ah putain, j'ai oublié une virgule, mais quel tas de merde. Ah bah oui, ça marche beaucoup mieux, dis donc. Oh là là. Eh dis donc, en plus, c'est vert. Putain de merde. Alors... Console, voyelle. Ouais, je fais une blague. Donc ok, donc lui il affiche bravo. Donc si lui on met un truc. Bravo joueur 2.
Par contre, c'est marrant parce que lui, du coup, il est plus du tout capté. C'est n'importe quoi. Alors. Bah, du coup, ça marche. Mais qu'est-ce que je voulais modifier avant? Je ne sais plus. Bah, la fonction, là, je l'ai simplifiée, du coup. Ouais, non, en fait. Lui plus petit, machin. Donc, alors. Si lui plus petit, moins 1, sinon. Voilà, c'est un peu plus compressé. OT égale 1, 1. Est-ce qu'éventuellement je n'oserais pas retirer OT et mettre I2 moins 1? Et là ce serait dingue. Moins 1, putain, on va me foirer tout non plus. Ok. Et du coup il y a une variable en moins. Et bah si jamais ça marche pas, il retourne 6. Ce qui est complètement pourri, mais admettons, hein. Bon, allez, on va dire que c'est bon. Hein. Bon. Personne n'en voudra, enfin hein, j'espère. Donc ici on va modifier toutes ces cases. Oh ça va être chiant. Oh, qu'est-ce que ça va être chiant. Alors. Alors, cette case-là va valoir 4 plus... Non, 2, 2 plus... C'est ça, hein? Non, c'est où que je l'ai modifié l'autre? Nanana, 2 plus, ouais, c'est ça, plus 2. Plus 2. Ok. Ah, je peux mettre un point virgule en plus. Trop classe. Nya nya nya. Lui égale plus 2. Ok. Mais non, pas de point. Plus 2. Ok. Enregistré. Nickel. Bon, bah ça va être très long. Alors, tech, tech, ok. Tech, tech, ok. Enregistré. Nickel. Tac 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 tac. Ok. Et donc là on va modifier. Oh là là. Bon allez, soyons fous, hein. Ok plus plus, tac 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 tac. OT, pas ok, OT plus plus. Est-ce que je retourne trou? Ce serait marrant ça. Ah non bah non, parce que si le mec il a gagné plusieurs fois. Ah ouais, je pourrais compter les points et tout. Oh là là. Donc. Moins 1, 1, 1. On va dire 11, ce sera plus simple. Voilà. Clic, clac, clouc, clouc, clac, clanc. Nickel. Donc moins 1, 1. Alors, moins 1, que dalle. Moins 2, que dalle. Moins 1, que dalle. Ok, j'ai dit moins 1 au début, je crois. J'ai écouté. J'ai dit moins 1, ouais. Quel con. Moins 3, mais non. Plus 3. Moins 2. Plus 2. Moins 3. Moins 1. Plus 1. Ok. Que dalle. Moins 3. Que dalle. Moins 2. Que dalle. Moins 1. Nickel. Que dalle. Plus 3. Que dalle. Plus 2. Que dalle. Plus 1. Je vais quand même dehors de live là parce qu'on va peut-être se calmer. Hein. Une heure et demie. Non mais sérieux quoi. Alors, plus 3, moins 3. Mais non, bon. Voilà. Plus 2, moins 2, plus 1, moins 1. Super, je me suis même pas trompé. Plus 3, là non plus, hein, aucun problème. Plus 2, et là non plus, évidemment. Plus 1, et là non plus. Plus 3, plus 3, plus 2, plus 2, plus 1, plus 1. Sans me tromper, du premier coup, franchement. Ok, donc si je clique... Tac. Oh là là, en plus ça se met en vert et tout. C'est trop bien. En vert et contre tous. Et donc là, si je mets ça, bah lui aussi il a gagné là, quoi. C'est trop bien. Mais c'est trop bien. Ok, bon, nickel. Maintenant, si on a gagné et que l'on clique sur OK, il faudrait que je crée une fonction. Putain, ça serait énorme. Comment je pourrais dire ça? Le callback. Ça va être moche comme ça, mais... Callback est une fonction qui va pour l'instant ne rien faire. Donc si lui on met off, c'est-à-dire qu'on a cliqué dessus. Mal a cliqué dessus. Enfin, je sais plus d'où ça vient ça. Donc lui, il clique dessus et il... Merde. Point callback. Voilà.
Et donc lui, on va définir que c'est une fonction qui va permettre de d'arrêter le jeu, en fait. Donc lorsque l'on clique, c'est quoi ce bordel? Je suis perdu dans le code. Il affiche ça, ok, ok, donc là il a gagné. Bravo joueur! Callback est également une fonction qui permet de quitter le jeu en fait. Donc lorsque l'on appuie sur échappe, draw au jeu, draw config. Non, c'est pas ça, t'as draw au jeu. Voilà, échappe. Nickel. Lorsque l'on clique sur échappe, num, machin, machin. Ok. Donc alors, FF, nickel. Il quitte et il va au jeu. On va tester. Ah, ça marche bien. Hop. Ah. Tac. Ok, donc là ça marche bien, et donc si je clique, putain ça quitte le jeu, oui c'est trop bien. Je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais pas arrêter d'ajouter des fonctions. À faire, est-ce qu'il y a, non, arrêt du jeu, ouais, go menu, ouais, bah je viens de le faire, super. Callback est égal à switch changé. Est-ce que ça pourrait fonctionner si je mets genre comme ça? Je vais voir. Je me pose des questions en JavaScript là. Non, c'est dès qu'il ouais, il l'exécute. Donc, ok, ok. Bon, bah, on va pas faire de bêtises. Hein, on va laisser comme c'était. Et puis, du coup, bon, on va s'arrêter là. Donc, ben, au revoir. Et puis, bon, ouais, je reprendrai ça dans peut-être une ou deux heures ou dans plusieurs semaines. Je ne sais pas. Voilà, donc ben plein de bisous, au revoir, à bientôt.